Comme chaque année, à travers un carnaval, les écoles chrétiennes Source de Vie choisissent un métier pour apprendre les élèves à projeter l'avenir. Cette année, le métier de cultivateur a été choisi. Les élèves de ces écoles chrétiennes Source de Vie, Limété, Gombe-sur-Justice et Macampane ont appris l'importance du travail du cultivateur qui est non seulement de protéger la terre, mais aussi de nourrir le monde. Les écoles chrétiennes Source de Vie poursuivent le carnaval 2023. Après les élèves de première, deuxième et troisième année, ceux des quatrième à huitième année ont été sensibilisés sur le travail de cultivateur. Labourer la terre pour nourrir et protéger le monde est un devoir de tous. Inspiré du livre de la Genèse, le carnaval Le Cultivateur sensibilise non seulement les élèves, mais aussi toute la population congolaise à mieux exploiter la terre pour se nourrir et nourrir les autres, car c'est l'une des recommandations de Dieu. Il n'y a personne qui peut s'en passer, se passer de l'agriculture aujourd'hui. Que ce soit ministre, que ce soit le président de la République, que ce soit le gouverneur, tous. Pourtant, en RDC, nous avons beaucoup d'espaces arables que nous devons mettre à profit pour cultiver, exploiter la terre, afin que d'éliminer également la malnutrition, la sous-alimentation. Lorsque nous voyons ces grands Congo, le Congo notre terre, le Congo notre jardin, nous ne manquons pas des espaces pour cultiver. Nous ne manquons pas d'espaces pour faire ce travail. Nous sommes des premiers, des victimes par notre propre irresponsabilité. Nous mourons de faim alors que Dieu nous a donné la terre. Nous ne voulons pas cultiver. Outre le travail de cultivateur, les élèves des écoles chrétiennes Source de Vie ont été également appelés à cultiver les valeurs chrétiennes pour mieux vivre en société. Nous avons aussi des valeurs chrétiennes et universelles qui sont l'amour, la paix, la joie. Si nous cultivons, si nous prenons soin de l'agriculture, le pays peut devenir encore plus riche si chacun prenait soin de l'agriculture. Au lieu de quoi ? De commencer à acheter la nourriture ailleurs, que nous-mêmes puissions produire notre propre nourriture. Ce carnaval était aussi un moment de partage de joie pour ceux élèves qui ont marché en reprenant un cœur de chant d'allégresse pour exprimer leur enthousiasme. Aujourd'hui, c'était le carnaval des SSV. Ça s'est très bien passé. Nous sommes sortis, on a fait la parade. On a marché dans les rues de Limété, on a marché, c'était la fête, on a chanté et tout, on a dansé, on s'est très bien amusé. Franchement, je remercie les écoles chrétiennes de la Source de Vie pour ce très beau carnaval. Le carnaval 2023, le cultivateur, rassemble les élèves de plusieurs extensions des écoles Source de Vie. L'extension de Limété, celle de la justice dans la commune de la Gombe et celle de Macampane dans la commune de Ngaliema.